Festival d'Union, ça veut dire qu'on clôture l'année. C'est vrai que nous faisons un paquet de bonnes activités pendant l'année. Par exemple, nous sommes fait. Dernière activité que nous avons fait là, c'est atelier Jacques-Stéphane Alexis, nous avons clôturé avec une soixantaine de jeunes que nous avons certificat qui prend formation dans tous les domaines, théâtre, danse, musique, et ils sont sortis ici là avec certificat. Eh bien, nous avons clôturé l'année avec Festival d'Union qui a 28, 29, 30, 31 décembre. Festival d'Union sont activités que nous avons habitué faire ici. Hein? Mais chaque année, nous toujours changer de thème. Année ça, nous avons trouvé l'été nécessaire pour nous mettre, pour nous accentuer sur les affaires de l'Union. Par exemple, son pays gain, il faut nous coller la tête ensemble pour nous vivre là-dedans. C'est dans ça que nous avons fait tout artiste, tout comédien, tout le monde chanter l'Union. Et mais qui ça pral gagner dans le festival ça? Le 28 qui prend la mise en place, c'est-à-dire mise en place spectacle là. Le 29 prend le concours bon à pied. Pas oublier, chaque jour, il y a bien deux heures de temps qui est réservé à un artiste. Pas oublier, nous avons Mika qui saute mouille là. Il y a deux heures de temps qui est réservé pour Mika, lui-même, pour artistes qui sortent en d'un quartier. Parce que c'est nous-mêmes qui pouvons valoriser les jeunes qui ne connaissent pas pour nous tout faire connaître. Pour nous faire artistes qui sortent en quartier chanter musique Mika pendant deux heures de temps, ça veut dire que qui permet que artiste sale pas jamais mourir toujours vivant. Et puis gagner concours bon à pied cap gagner même 29 ça tout parce que nous-mêmes n'a pas essayé valoriser la musique folklorique et n'a valoriser la danse folklorique. C'est-à-dire que c'est dans ce sens ça, nous saisissons l'occasion pour nous faire tout bon à pied qu'on connaît, c'est des entreprises culturelles. Pour nous faire bon à pied qu'on connaît, que yo même tout, yo capable de structure en dans bon à pied, yo gen manager, yo gagner des monde qui travaillent ensemble avec. C'est dans ce sens ça nous même nous pas négliger étant que théâtre national nous pas négliger faire activité ensemble avec yo pour nous dire que yo gen le 29 yo pral participer nan concours bon à pied ça. Alors la fête en trois temps. Gagne 29, gagne. Alors chaque jour, gen doit avoir une dizaine de bon à pied passer nan en dans concours ça. Clôture là a fait le 31 décembre. Ça veut dire on bon à pied qui tend des messages ça, li gon seul bail pour faire, la passer nan théâtre national là, la rentrer nan direction artistique là, la vinn inscrit et puis la participer et puis pa paye rien. Le 29, pa oublier de tout, chaque jour n'a pour un artiste. Pa bien gagner un petit nom qui fait mourir, qui c'est frère Azor qui mourit et qui t'a kembe racine ma pou. Ça nous même tout n'a pas des jeunes qui soutiennent dans quartier pas bien toutes jeunes qui besoin viennent chanter tout yo gagne pour passer dans direction pour passer dans direction artistique là pour venir inscrit soit pour chanter musique Mika soit pour chanter musique racine mapou de Azor parce que nous même nous dit n'a valoriser tout monde ça. Et c'est pas sans raison quand pile l'autre artiste qui était mort encore par exemple on prend Mano Chalmay avec Kessi. Deux moun sa yo, yo la pour le 31 décembre. Ça veut dire que yo même yo gen 3 heures de temps qu'a réservé dans espace là pour encore des jeunes qui sorti en dans quartier yo, qui sorti dans ville provinciaux parce que gen des moun qui va parler là, yo pense c'est des quartiers de Port-au-Prince. Non, l'ordre dit théâtre national ou pas dit théâtre de Port-au-Prince ou dit théâtre national. Ça veut dire c'est des jeunes qui a sorti tout côté qui vinn participer dans événement ça. Non, le 31 décembre, tant que j'en ai dit à l'heure, 31 décembre, n'a clôturé l'événement et avec activité culturelle. Alors, qui pral gagner un spectacle de variété. Côté que kap gen musique, kap gen danse, kap gen exposition d'artisanat, défilé de mode, ap gen tout ça yo là dans kiosque Oxygentila là qui c'est Kounia annexe théâtre national. Et dit que nous pensons que travail ça n'a fait là son travail pour valoriser la culture. Son travail côté que pour tout le monde, chaque année, nous toujours fait ça. Nous toujours font gens pour fin d'année, pas passer comme ça. Eh bien, ça nous dit 28, 29, 30, 31 décembre, nous avons tout le monde ici, là, dans le théâtre national, côté que nous avons toute activité ça.